premier débat, je vais présenter rapidement les intervenants qui sont sur scène. Et vraiment, je les remercie parce que eux aussi, ils n'étaient pas tous volontaires pour venir. Alors, je vais commencer par Philippe Morel. Alors, mais vous allez entendre, vous allez comprendre qu'il est du Sud-Ouest. Le groupe Morel, c'est un groupe familial fondé par Jean et Michel Morel. C'est 20 sites sur 8 marques autour de la région de Castres. J'ai tendance à dire qu'il est né dedans, qu'il est un peu passé par tous les métiers de la construction automobile. Et également, Valérie Guilin qui vient. J'aurais dû commencer par elle, excusez-moi. C'est notre avocate d'affaires qui va vous apporter un éclairage juridique sur la gestion que vous pouvez avoir avec vos fournisseurs, sur quelques questions qu'il faut se poser, puisque la réglementation a beaucoup changé dans la relation achat-fournisseur. Et c'est une spécialiste. Elle est associée au cabinet Bourgeon, je crois, depuis sa création, spécialisée dans tout ce qui est constitution et, société des et suivi des sociétés et relations fournisseurs-distributeurs. Également sur scène, Édouard Gaudissart, que je remercie particulièrement parce qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer des gens de PCR. Donc c'est le directeur de la structure achat de PCR qui gère environ 150 sites sur la France, 350 sur l'Europe. Il va vous parler un petit peu de l'approche qui a été mise en place dans le réseau propre depuis maintenant 5 ans, avec à côté la direction des achats de PSA. Sur son parcours, évidemment, il a eu différentes fonctions dans le réseau PSA, mais c'est un homme d'achat avant tout. Et puis Didier Pigelet, directeur général opérationnel du groupe Chopard, un homme de terrain. On a voulu avoir des représentants de toute taille. Nous devions avoir également un représentant d'une structure beaucoup plus petite, mais qui a eu des problèmes familiaux, qui ne pourra pas être avec nous. Mais je vais reprendre un petit peu les éléments qu'il voulait prononcer tout à l'heure. Donc une vision de grand groupe, de l'organisation de PSA, d'une structure un peu plus petite, mais peut-être avec une démarche assez intéressante. Donc comment va fonctionner ? Je vais un peu partir sur 3-4 questions un peu généralistes. L'organisation achat centralisée autonome par site. On s'est aperçu que dans les différents groupes, il pouvait y avoir ou une gestion des achats complètement centralisée, qui ne donnait aucune liberté aux différents sites. On a rencontré des groupes qui avaient plutôt une organisation achat gérée par métier, c'est-à-dire c'était le responsable d'après-vente qui s'occupait de façon transverse de tous les achats de l'équipement après-vente. Donc c'est une première question que je voulais leur poser. Est-ce que d'après vous, une organisation centrale est la solution et la meilleure organisation pour vos groupes de distribution? Ou est-ce qu'il faut plutôt laisser la place au local? On parlera un peu plus tard de la relation commerciale locale qui est très importante. Quelles sont un petit peu vos approches? Est-ce qu'elles sont différentes? Je vais peut-être poser la question à Didier en premier, dans le groupe Chopard. Comment est-ce que vous fonctionnez sur ce sujet? On m'entend, hein? Ouais. Oui. Nous, globalement, aujourd'hui, on a une organisation centrale d'achat, c'est-à-dire que toute demande d'investissement supérieure à un certain montant, pour être clair, 1 000 euros, fait l'objet d'une demande d'achat auprès de la direction du groupe. Hein, très clairement, c'est vraiment le fonctionnement. Après, on a bien sûr des contrats cadres pour tous les contrats importants, type vêtements de travail, type lubrifiant, type pneumatique, bien sûr. Enfin, voilà. Donc, tous les contrats importants, la peinture, sont centralisés. Après, on laisse encore l'autonomie sur les sites, sur certains contrats, qui ne sont pas des contrats, je prends l'exemple le copieur, qui peut nécessiter quand même une réciprocité locale quand même importante. Mais globalement, c'est relativement centralisé, absolument. Peut-être l'éclairage sur PCR. Donc, bonjour à tous. Alors, juste avant de répondre, peut-être des éléments de contexte. PCR est en pleine restructuration. Retour à la rentabilité fin d'année prochaine, sous l'impulsion de Jean-Philippe Imparato. Donc moi, je suis arrivé il y a un an. J'étais auparavant dans les achats projet véhicule, industrie grande série. La feuille de route qu'on a aujourd'hui aux achats PCR, elle tourne autour de 4 sujets. Les frais généraux, effectivement, avec une mutualisation maximum des principaux contrats cadres sur les frais généraux, le VO, le virage du digital, le contact center, le CRM, et la pièce de rechange avec le développement de nos plaques pièces de rechange et l'amélioration, voire une amélioration très significative des conditions d'achat de nos pièces de rechange, donc de l'huile, les pneumatiques et au-delà. Voilà. Donc effectivement, on est en pleine restructuration, donc on veut centraliser un maximum tous les achats mutualisables au niveau d'un pays, au niveau européen, au minimum au niveau d'une ville,
et effectivement une certaine autonomie donnée au point de vente sur des achats qui ne sont pas mutualisables au-delà d'une plaque vide. Ce n'est pas une question du montant de l'investissement ? Donc, il y a le montant d'investissement qui détermine effectivement la centralisation ou pas, mais il y a surtout la notion de mutualisation. Est-ce que c'est un achat récurrent ou est-ce que c'est un achat mutualisable au-delà d'une ville ou pas ? Vous faites un événement porte ouverte où vous devez acheter un traiteur, vous devez acheter une prestation d'entretien chez un plombier ou autre, c'est de l'achat local. Vous achetez traitement des déchets, vous achetez des prestations d'hôtesse, des choses qu'on peut retrouver un petit peu partout en France. Ça, c'est clairement mutualisable avec des contrats cadres centralisés au meilleur niveau. Donc on voit des organisations assez similaires dans les deux groupes, enfin, deux organisations, mais qui définit à un moment donné que ça devient du national ou c'est du local ? C'est le directeur de site ? C'est la direction des achats qui a défini ce qu'il y a des charges ? Alors ça, on est dans une phase de transition où auparavant on avait effectivement chaque établissement, chaque plaque qui était très autonome sur beaucoup de choses. Là, on est plutôt en train d'aller chercher de l'efficience, de l'efficacité. Donc aujourd'hui, on a identifié un certain nombre de sujets, donc en gros les plus gros enjeux, les plus grosses prestations, qu'elles soient d'un point de vue en montant en euros ou en termes de sensibilité au commerce. Un contact center, un call center, c'est pas des choses qu'on peut négocier comme ça tout seul dans son coin. Donc là aujourd'hui, on a défini effectivement par rapport à des seuils. Donc je rejoins effectivement mon homologue du groupe Chopard sur ce sujet. Philippe, petit éclairage sur le groupe Morel. Ça y est. Bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, moi l'accent, sans que je vienne du sud-ouest. Quand je vis à Paris régulièrement, on me dit « vous n'êtes pas d'ici ». Les gens sont perspicaces. Donc oui, pour reprendre ce qui a été dit, nous fonctionnons de la même façon, bien sûr, encore à moindre échelle. Nous avons une micro-centrale d'achat qui a vocation à centraliser l'ensemble des achats, quels qu'ils soient, avec un minimum de 300 euros, je crois. Après, on laisse la liberté, cartouche d'encre, enfin, on ne va pas rentrer dans le détail du détail. Mais nous avons validé un certain nombre de fournisseurs et en privilégiant souvent le local. Mais la décision est toujours prise par l'opérateur de la CIL, donc les gens dont je m'occupe, qui décident systématiquement si on fait du local ou pas, bien sûr, pour une réciprocité du commerce. Voilà. Après, nous avons des contrats cadres avec différents fournisseurs, style pont élévateur, équilibreuse, etc., ou bien sûr une ICAP, dans la majeure partie des cas, pour le matériel de garage, qui nous donne le meilleur, enfin, on essaie d'avoir bien sûr le meilleur tarif, mais tout est centralisé. Le principe de base de notre mini centrale d'achat, mini centrale parce que c'est toute petite centrale d'achat, c'est de faire payer pour les 20 sites, que les 20 sites payent moins cher que s'ils étaient seuls, mais plus cher que s'ils étaient 20. En gros, c'est ça. On essaie de trouver le juste milieu. C'est-à-dire celui qui est tout seul, il va payer un petit peu plus cher. Comment expliquer ? Vous expliquez. Il ne paie pas le prix de l'ensemble des 20 sites. Il paie un prix minoré, mais un prix qu'il n'aurait jamais s'il négociait tout seul. Voilà. Donc c'est le principe. Et la marge, bien sûr, différente, c'est la CIL qui la récupère. Voilà. Et on traite l'ensemble des produits pneumatiques, huile, lubrifiant, produits complémentaires, matériel de garage, téléphonie, bureau, informatique, tout. Tout passe par là. D'accord. Alors, si je reviens à une structure externe qui n'est pas une externe, dans le groupe, qui est voilà. Une centrale d'achat enfin, externe, des dans la holding, voilà. Dont la fonction est de d'acheter tout ce qui s'achète. Hein, alors, pourquoi une structure externe ? Ah, c'est pas une structure. Elle fait partie du groupe, hein, mais c'est une structure externe puisque elle est séparée de l'ensemble des autres activités. Elle n'a rien à voir avec l'automobile, mais elle négocie. Alors pourquoi une structure externe ? Ça nous permet de faire du négoce, notamment d'huile, de matériel de garage et de produits complémentaires auprès de nos agents. On ne se présente pas comme une affaire Borel. C'est la CIL, c'est un fournisseur externe, comme si c'était l'AD, comme si c'était... Ça nous donne une notoriété un peu différente. D'accord. Mais cela n'est pas considéré comme un centre de profit ? Elle n'est pas là pour générer du profit ou est-ce que les bénéfices obtenus sur les achats restent à la holding ? Alors, les bénéfices des achats restent à la CIL, à la société, mais comme il y a une centralisation des résultats, ça pose aucun problème. D'accord. Non, mais là, c'est un centre de profit, oui, très clairement.
la centralisation des achats dans les autres groupes est également un centre de profit ou pas du tout? Non, du tout. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut négocier est redonné intégralement au site, en fait. Hein. Donc, chaque site profite finalement de 100% de notre négociation. Hein. Enfin, clairement, nous, c'est la position aujourd'hui qu'on a adaptée. Oui, exactement. Voilà. Après, effectivement, à savoir comment c'est ventilé, est-ce que c'est ventilé à la plaque ou en centrale, mais effectivement, tous les gains des achats sont... Il n'y a effectivement pas de profit dans la cellule. D'accord. Alors, on a parlé un petit peu de l'importance du local. On sait bien que le commerce passe par des hommes, par des femmes. Alors, moi, je vais poser une petite question un peu provocatrice. Puisque clairement, là, on est en train d'aborder un sujet qu'on a en face de nous, la réciprocité commerciale par rapport à des accords centraux. J'ai travaillé à un moment donné de ma vie dans les grandes distributions, dans les centres auto, et j'avais la perception que l'importance du commerce local était moins importante que chez vous. Alors que je me dis, mais le directeur du centre d'auto de Castres, il va bien à la chasse avec son client, comme vous. Donc, comment est-ce que vous gérez ça, et comment gérer financièrement la réciprocité commerciale? Est-ce que vous avez mis en place des outils pour vraiment être sûr que vous faites travailler un local sur les fournitures de bureau parce qu'il amène ses voitures chez lui? Mais est-ce que ça, c'est quantifié, ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est dans les us et coutumes, quelque chose peut-être de bien français? Il m'est arrivé, moi, sur un certain contrat cadre, d'avoir un cas très particulier où il y avait un enjeu en termes de voitures. On a su gérer un site indépendamment de le reste du contrat cadre. Au bout d'un moment, il faut aussi être à minima intelligent et pragmatique en disant, bon, voilà, il y aura un site qui ne fera pas partie de l'accord cadre, voilà. Sachant que des fois, sur la durée, on arrive à le raccompagner également. Après, quand on a des groupes de distribution où on est quand même répartis sur des régions différentes, tous les fournisseurs aussi, on essaye de les mettre aussi dans les contrats cadres en disant, tiens, tu vas pouvoir faire ta proposition au niveau du groupe, mais souvent ils n'ont pas la dimension pour pouvoir effectuer la prestation sur l'ensemble de notre territoire. Donc quelque part, ça permet de les mettre hors jeu entre guillemets proprement, quoi. Mais encore une fois, j'insiste, on gère et on en a géré et on en gère encore des cas bien particuliers parce que voilà, faut, avant toute chose, faut qu'on vende des voitures, hein, donc ne l'oublions pas. Sur PCR, c'est exactement la même problématique. Donc après, effectivement, avoir il y a réciprocité commerciale et réciprocité commerciale, hein, bien sûr, entre des beaux contrats avec pas mal de ventes, et puis je dirais une réciprocité commerciale, oui, effectivement, un peu affective, parce qu'on a l'artisan qui a l'habitude de nous acheter de temps en temps des véhicules, mais il convient d'effectivement bien séparer les deux sujets et puis de pouvoir arbitrer au bon niveau en fonction de l'enjeu commerce. Donc effectivement, on est dans la même logique. J'ai réussi aussi des fois à faire intégrer un prestataire local dans un contrat cadre en tant que sous-traitant de l'acteur principal qu'on avait retenu. Hein. Voilà, ça se gère aussi. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il devient sous-traitant. Alors, ils vendent certainement moins cher qu'ils vendaient en direct avant, mais ils restent économiquement dans la boucle. Hein. Ça, c'est aussi faisable. J'ai pas grand chose à rajouter, si ce n'est que nous sommes très attentifs dans les régions rurales chez nous à la réciprocité, parce que l'artisan qui se vexe, il n'achète pas les autos pendant 5, 6, 10 ans. Donc on y fait très très attention. On le gère au cas par cas, mais on y fait très attention. Alors, une autre question peut-être un peu plus technique, où là aussi j'entends des approches différentes. La question, faut-il renégocier ses contrats tous les ans? Est-ce qu'il vaut mieux avoir des contrats sur un an, des contrats sur trois ans? Est-ce qu'il faut systématiquement, comme cela se fait en nouvelle distribution, résilier à titre conservatoire dès qu'on s'est assigné un contrat, pour ne pas oublier de le renégocier après? Est-ce que vous gérez les échéanciers de vos contrats? Puisqu'on a vu sur des sujets comme la location de linge, on en reprend trois ans et ça peut être un petit peu compliqué. Je voudrais savoir un petit peu si vous avez des bonnes pratiques à nous conseiller. Et sur ces points-là, est-ce que vous avez une politique qui est de dire non, je ne prends que des engagements sur... un an, trois ans, cinq ans. Globalement, on ne dépasse pas trois ans. Après, négocier chaque année, c'est un vrai job, hein, encore une fois. Et je ne pense pas que quand on rencontre un fournisseur en disant qu'on s'engage sur un an, on ait les meilleures conditions possibles. Parce que, je prends la peinture, par exemple, quand on voit le matériel qui est mis à disposition, sur un an, on est sûr de ne pas avoir les conditions adaptées. Donc là, on est obligé de partir sur des contrats un peu plus longs.
Nous, on a un système avec, d'organisation avec un fichier, des alertes qui permettent de dénoncer tous les contrats à titre conservatoire, bien sûr, même si on est super satisfait du fournisseur avec qui on travaille. Par définition, on va remettre tout le monde dans la boucle à l'échéance du contrat. Donc, c'est vraiment comme ça que l'on fonctionne. Oui, effectivement, c'est ce qu'il faut se dire. Je pense que 3 ans, c'est beaucoup. Aller au-delà, ça commence à être un petit peu beaucoup. Mais clairement, l'idée principale, c'est quand même de connaître son marché. Parce qu'effectivement, en fonction des sujets, en fonction de l'enjeu, enfin, l'acte d'achat, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est une charge, parce que quelque part, on paye un acheteur pendant un certain temps pour le faire. Tout dépend effectivement du sujet. Et tout dépend effectivement du marché et quelque part du poids et de l'intérêt que le fournisseur ou les fournisseurs peuvent porter à votre société. Effectivement, dans certains cas, il n'est pas nécessaire de faire miroiter la durée comme condition d'attrait. Simplement le nom, le nombre d'établissements, le volume ou quelque part l'aura du groupe peut faire qu'effectivement on a des conditions de fait très intéressantes. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est une charge d'aller négocier tous les ans des sujets. Alors, j'ai oublié une question, c'était peut-être de vous présenter comment vous êtes structuré, parce que je vois 2 opérationnels qui ont d'autres choses à faire qu'acheter. Bon, Edouard est spécialisé dans ce métier. Comment est-ce que vous êtes organisé dans vos groupes ou à PCR sur la fonction achat? Combien de personnes? Alors nous, toute petite structure, il y a 2 personnes qui s'occupent des achats. Pour revenir sur les contrats, on a aussi 80% des contrats qui se terminent au bout de 3 ans. Et la deuxième question? Bon, c'était l'organisation. Alors l'organisation, les 2 personnes. Voilà, les 2, je fais ça en plus, puisque je ne m'occupe pas que des achats, sinon ce serait le Club Med, je m'occupe aussi de la totalité des après-ventes, toutes marques confondues, voilà. Et l'exploitation de la concession de Castres. Et je m'occupe des achats, on est 2 personnes, enfin, j'ai une assistante qui s'occupe de ça, parce qu'on n'a pas non plus une multitude de contrats. Mais on a une veille permanente sur les tarifications, sur ce qui se passe en termes d'achats, voilà, pour notre petite structure. Moi, pareil, hein, j'ai une assistante qui gère et qui suit les contrats. Je m'appuie aussi également sur le directeur pièces et services, les plateformes pièces de rechange, bien sûr, sur certains aspects. Mais globalement, on n'a pas une structure dédiée avec, on va dire, des salariés qui consacrent 100% de leur temps à la direction des achats. Sachant que, dans notre principe que j'évoquais au début, donc nous, on a bien un process avec un minima, avec au moins fournir 3 devis, dont un d'origine Unicap. Enfin voilà, c'est assez structuré au départ. C'est-à-dire quand on reçoit la demande, il y a tous les devis et tout ce qui va bien, donc qui permet de prendre la décision, je dirais, rapidement. Quoi. Parce qu'on essaye aussi d'être très réactif, parce qu'à partir du moment où on enlève cette possibilité-là au site, il faut aussi donner un service et être proactif là-dessus pour pas que, bah, quand ils ont un besoin, on mette 3 semaines, 1 mois ou 2 mois à étudier le dossier. Quoi. Hein, ça c'est, on essaye, par rapport à ça, de rester très réactif. Et dans le processus de décision du choix des fournisseurs, les responsables métiers transverses interviennent? Comment ça se passe? Sur la partie pièces et services, bien sûr, ouais, absolument. Ouais. Là, clairement, oui, on demande. Encore une fois, on ne maîtrise pas tout, hein, donc on s'appuie sur les gens dans le groupe qui maîtrisent le mieux certains sujets, hein, très clairement. D'accord. Alors PCR, je pense que l'organisation est un peu différente. Alors effectivement, PCR, c'est un petit peu différent. On a une organisation achat, alors on a une équipe achat dédiée à PCR, hébergée au sein de la direction des achats du groupe PSA. Donc c'est 7 personnes en Europe, 4 personnes en France. Donc je dirais trois niveaux pour aborder chacun des sujets. Un premier niveau qui est comment je vais aller capter les meilleures conditions d'achat du groupe avec potentiellement une vision monde. Donc typiquement on parle de téléphonie, on parle de gros achats énergie, etc. Donc, pour aller capter des conditions canon. Donc mutualiser avec le constructeur. Donc ça, c'est le job aussi de l'équipe, d'aller chercher cette performance là où elle est, dans le groupe. Un deuxième niveau qui est l'achat au niveau du groupe PCR, donc avec une mutualisation maximum des achats et de proposer des solutions et des conditions, parce qu'il n'y a pas que du prix, il y a des conditions aussi qui peuvent être adossées. Et puis après, effectivement, derrière un certain nombre d'autres sujets où on s'appuie en local sur chaque ville, sur des interlocuteurs locaux qui ont la charge de déployer des contrats cadres ou acheter
gérer un certain nombre de prestations ou de produits tels qu'ils sont convenus en local. Alors, je crois savoir que vous adossez aussi vos équipes achats de PSA, évidemment. Alors, quelle est un peu la limite entre un choix stratégique direction des achats PSA et un choix PCA? Est-ce que vous avez capacité de temps en temps de faire un choix différent? Aujourd'hui, oui, et de plus en plus. Compte tenu de ce qui est demandé par la direction générale et Jean-Philippe Imparato, on doit, et ça c'est ma mission et la mission de mon équipe, d'aller proposer les meilleures conditions d'achat à l'image de ce que peut représenter PCR sur le business. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a énormément de discussions avec mes collègues constructeurs pour potentiellement se dire est-ce qu'on fait chacun de son côté, c'est possible. Donc on a le même chef tout au-dessus, mais aujourd'hui on a une telle pression pour un retour à la rentabilité qu'aujourd'hui on s'interdit rien. Et c'est assez passionnant d'un point de vue achat. Vous gérez une masse achat de quel volume ? Alors c'est 250 millions d'euros en frais généraux et puis c'est plus de 500-600 millions d'euros d'achat pair. Donc c'est des montants assez significatifs sur lesquels, quand on les traite correctement, on peut aller chercher la performance. On parle de la France ou de l'Europe là ? Europe. Alors, une autre question, vous avez compris que je vais être toujours un petit peu spécialiste des questions tabous. Tous les gens dans cette salle ont signé une charte de... Comment dirais-je ? Une charte d'engagement avec sa centrale, de transparence. Bon, là, dans la vraie vie, on n'est pas exactement dans ce schéma. Donc la question que je voulais vous poser, elle est un peu provocative, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il faut toujours considérer que communiquer ses conditions d'achat, c'est un acte tabou, ou est-ce que la démarche n'est pas plutôt, comme ça, vraiment là, il y a une vraie différence avec les autres pays étrangers, est-ce qu'il vaut mieux pas systématiquement être dans une transparence, échanger, acheter ensemble ? Je sais que certains groupes de distribution le font aujourd'hui. On va avoir un éclairage juridique sur ce sujet tout à l'heure, qui va, je pense, aussi peut-être nous éclairer. Est-ce qu'il n'y a pas des transformations et des changements de comportement à avoir dans ce domaine? Ou est-ce que vraiment, sa négociation achat est toujours quelque chose, comme on le faisait il y a 20-30 ans, qu'on garde ses conditions dans un coffre, ou qui se faisait en grande distribution? Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Elle était pas mal, celle-là. Oui, alors effectivement, c'est tabou. Non, je plaisante. Je plaisante. Non, ça l'est plus. Ça l'est plus aujourd'hui, les conditions d'achat. Bon, on connaît tous à peu près le prix de la peinture, le prix des pneus. Il y a des conventions en fonction des volumes. Il y a des tarifs qui sont préétablis. Après, on peut avoir, il y a un petit chouïa d'écart pour l'un, pour l'autre. Mais je ne pense pas que ce soit... C'est plus tabou comme ça l'était à l'époque. Je pense qu'on est tous à peu près logés à la même enseigne. Un pot élévateur, ça vaut 3 500 euros, même bien négocié, ça vaut pas 2 000, quoi. Ça vaudra, il y aura peut-être un billet de 100 euros d'écart, mais ça va pas chercher bien loin. Après, on a tendance à se regrouper avec certains collègues, effectivement, pour acheter certains produits et se donner les prix, tout en le précisant au fournisseur, quoi. Mais pour moi, c'est pas tabou. Donc il y a bien une démarche intergroupe aujourd'hui. Oui, clairement, on échange sur certains produits. Voilà. Après, sur les contrats plus lourds, hein, déchets, peinture, je pense qu'aujourd'hui chacun a ses conditions et communique beaucoup moins que sur du matériel d'atelier ou à peu de choses près. On sait tous le prix que, comme le disait mon collègue, on sait le prix qu'on paye. Hein, mais c'est vrai, bon, c'est pas 100% transparent. Hein, faut quand même être clair, quoi. Bon. C'est vrai que ça reste un tabou. Avant de venir chez PCR, on a travaillé avec General Motors dans le cadre d'une joint purchasing organization. Communiquer sur des achats, des prix d'achat de pièces, c'est clairement tabou, y compris entre groupes. C'est un levier de compétitivité. On ne communique pas là-dessus, sauf quand effectivement on travaille ensemble. Après, vis-à-vis du fournisseur aussi, des fois, on a des conditions très particulières, qui ne le sont peut-être pas d'ailleurs, mais bon, qu'on estime très particulières, et on se dit, voilà, quoi. Nous, on lui dit, ça ne sort pas d'ici, et puis, bon, quelque part, si derrière, on ouvre la porte, et puis qu'il ne tiendra peut-être pas sa langue, vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on garde quand même cette petite confidentialité sur certains,
sur certains produits. Clairement, enfin, moi je le dis, aujourd'hui, c'est nous, c'est pas 100% transparent, et encore une fois, ça me choque pas. Et de la même façon que vous êtes maintenant en majorité multimarque, comment est-ce que vous gérez des prix qui arrivent par différentes marques ? Vous pouvez avoir un accord prestation de, je sais pas, sur mise en conformité, climatisation qui arrive chez PSA, une qui arrive chez Opel, une qui arrive chez BMW. Comment est-ce que vous gérez un petit peu toutes ces informations ? Est-ce que c'est les chefs de service qui vous les remontent ? Ou alors est-ce que systématiquement tout ce qui arrive des marques est centralisé dans vos organisations achats ? Parce qu'on en parlait en aparté tout à l'heure, même chez PSA, quand on a des rouges et des bleus, ça ne se parle pas toujours très très bien. Moi, si je prends le cas, par exemple, sur la partie fluide, le froid, effectivement, il y avait une différence au départ. Enfin, nous, globalement, on a respecté sur les deux marques. C'est-à-dire, on n'a pas tout regroupé sur Peugeot par rapport à Citroën. On a bien pris pour la partie Peugeot, et pour la partie Citroën. Là, on a bien séparé. Après, sur d'autres produits, clairement, c'est multimarque, quoi. Enfin, c'est-à-dire, les déchets... dans la plupart de ce qu'on achète, ça concerne quand même de l'environnement du métier de concessionnaire et de réparateur agréé. Donc, quelle que soit la marque, je ne vois pas bien où ça va pouvoir changer la négociation ou la relation avec le constructeur. Enfin, pour moi, ça n'a pas d'impact, quoi. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que il n'y a pas d'impact, de toute façon. Il n'y a pas un gros écart. C'est vrai que si on prend les produits, par exemple, Wurst, ils sont référencés chez Peugeot, ils sont chez Opel, ils ne sont pas tout à fait au même prix. L'un le prend dans les chiffres d'affaires, l'autre ne le prend pas. Enfin, on essaie de faire au mieux, on essaie d'accorder au mieux, mais globalement, il n'y a pas quand même de gros écarts. À l'époque, il y a eu des gros écarts, mais là ça a bien changé, quoi. Sur les produits que représente chaque Et c'est le rôle de la centrale de décider le canal d'approvisionnement. Ah oui, de toute façon, c'est toujours la centrale. Oui, en accord avec les chefs PR, les chefs d'atelier ou le directeur de site. On ne fait pas ça de façon radicale. Donc on en discute. Bon, il faut quand même. Parce que ça, dans certaines marques, ça compte dans la pièce concurrencée, à tel niveau, on est obligé d'y faire attention. Voilà. Alors, une question d'actualité. Hein. Est-ce que, d'après vous, l'arrivée de ces fameuses plateformes PR qui vont se généraliser en France, va modifier vos organisations achats? Et d'une façon, pour élargir encore plus la question, quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez actuellement sur vos organisations achats? Est-ce que clairement, vous considérez que les organisations actuelles vont fonctionner? Est-ce que vous pensez que c'est... vous allez créer une direction achat qui prendra en charge les PR? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment des sujets qui ne vont pas évoluer? Il va se passer des choses, et je pense que les volumes traités, là, vont commencer un peu à changer. Nous, on a déjà une plateforme sur le nord du groupe, bientôt une deuxième qui ouvre prochainement. Donc on est déjà bien centralisé par rapport à ça. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui est lube, tout ce qui est achat extérieur d'origine pièce de rechange, tout ce qui est outillage, on va dire, passe aussi par la plateforme. Donc déjà, il y a une réflexion. D'accord. Après, je sais qu'il y en a qui ont instauré une centrale d'achat directement sur la plateforme pièce de rechange. La réflexion est ouverte très clairement. Hein, donc c'est évident que les pièces de rechange et tout ce qui va autour étant important en termes de volume, on peut imaginer d'aller plus loin, c'est-à-dire demain acheter la papeterie depuis la plateforme pièces de rechange, pourquoi pas. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui, hein, mais c'est vrai que ça peut ouvrir d'autres horizons en termes d'organisation de décision par rapport au poids que représentent demain ces plateformes. Alors nous, on n'a pas de plateforme. Nous avons candidaté pour avoir une plateforme, mais dans l'immédiat, l'arrivée des plateformes distribution PR a changé le comportement de nos concurrents qui n'auront pas de plateforme. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à s'organiser et de l'autre côté, on va être obligé sans doute de continuer nos achats groupés sur certains produits bien précis pour justement être fort le jour où la plateforme existera. Donc, bien sûr, ça sera centralisé par la plateforme. Quand je dis des achats, on est encore plus en concurrence. Alors, je ne parle pas des pièces, hein, en concurrence sur les poids élévateurs, ça a rendu beaucoup plus agressif les AD, les Géauto et consorts. Hein, voilà, sur ces produits-là, bien sûr. Nous, on est déjà organisé
structure achat, donc on le traite et on va améliorer de façon significative les conditions d'achat. Mais on ne change pas l'organisation. Les pièces de rechange sont déjà traitées chez vous ? Les pièces de rechange sont déjà traitées, oui. Ouais. D'accord. Et on a pu un peu constater, avec l'arrivée de ces plateformes, la volonté d'intégrer de nouveaux produits à cette en termes de distribution. Peu de concessionnaires commercialisaient l'équipement de virage hier. De plus en plus de plateformes aujourd'hui s'intéressent à ce marché et essayent de revendre l'équipement de virage au réseau secondaire. Est-ce que sur d'autres sujets qui ne sont pas traités du tout aujourd'hui, pourquoi une plateforme ne vendrait pas de l'informatique à des agents demain ? Est-ce que ça, c'est des sujets qui sont en réflexion ou pas du tout ? Non, du tout. Enfin, clairement, c'est vrai qu'on essaye de rester dans vraiment ce qui est propre à notre métier de concessionnaire. Enfin, demain, enfin, oui, pourquoi pas vendre de l'informatique ? Enfin, non, j'imagine pas à l'échelle du groupe partir sur cette orientation. Enfin. Ou du sel de déneigement ou. Oui, ça c'est pas pareil. Ouais. Donc, le consommable, c'est autre chose. Ouais. Le consommable, on le fait déjà sur certaines choses. Mais oui, le sel de déneigement, plus chez nous, c'est plutôt utile. Alors nous, c'est pas du déneigement, c'est les parasols. Non, nous n'y a pas du tout pensé, non, du tout, puisque c'est réservé à la CIL, qui est notre société d'achat, qui continue à commercialiser, mais il est pas du tout, enfin, on n'a pas du tout imaginé un jour vendre l'informatique par le biais de la plateforme PR. Quoi. Or, les pièces auto, en fait, notre métier de base, quand même. Pas oublier qu'on est garagiste à la base. Hein. Bon, nous, pareil, hein, on est sur le cœur de métier. Chacun son métier. Très bien. Donc, on a vu un petit peu, bon, différentes questions, un peu dans tous les sens, sur vos propres organisations. Donc, on voit quand même une certaine tendance hein, de recentraliser les achats sur une direction, d'avoir des directives assez fortes, de continuer à animer la gestion du quotidien avec le local. Alors je vais demander à Valérie maintenant de nous expliquer un petit peu son ressenti sur ce sujet. En fait, je vais demander d'intervenir en disant voilà, on va avoir des acheteurs, des investisseurs, des chefs de service. Moi, ce que j'aimerais bien entendre, c'est, enfin, je voudrais savoir peut-être d'abord, est-ce que systématiquement toute votre approche fournisseur a déjà été validée d'un point de vue juridique ? Est-ce que vous avez des contrats avec tous vos fournisseurs ? Ou est-ce que ça se fait encore ? Je rappelle, il y a 2002, quand on a créé Unicap, il n'y avait pas d'acheteurs dans les groupes. Hein. Il n'y avait aucune organisation achat. Et je me rappelle très bien la présentation que j'avais faite à Lisbonne, déjà. Tiens. Je me rappelle, j'avais cité un groupe qui avait deux accords avec le même fournisseur et deux tarifs différents sur le même site. Donc c'était il y a 12 ans. Bon, je sais que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Mais il y a une question, c'est la partie juridique, est-ce qu'elle est verrouillée ? Peut-être avant de vous faire intervenir. Aujourd'hui, dans vos organisations. Nous, enfin, on a des contrats avec tous les fournisseurs pour lesquels il y a un contrat cadre au niveau du groupe, hein, très clairement. Hein. Il y a aucun accord où on s'est tapé dans la main et Inch'Allah, hein, enfin, voilà. C'est un contrat groupe Chopin ou c'est un contrat du fournisseur ? Non, c'est un contrat du fournisseur. D'accord. Nous pareil, non, je rigolais. Nous pareil, on a aussi des contrats avec tous les fournisseurs qui ont un contrat cadre avec nous. Quoi. Les gens qui sont référencés chez nous, là, systématiquement un contrat du fournisseur. D'accord. Bon, puis nous, on a un petit peu de tout, entre de l'achat local où on a, bon, bien sûr, on a des contrats, hein, et on a des contrats que nous proposons et nous signons avec nos fournisseurs, donc avec notre service juridique. Très bien. La parole est au droit. Je vous écoute à tous. Bonsoir, bonjour. Donc Valérie Guilin, je suis l'associée de Cabinet Tréa, Christian Bourgeon, avec lequel je travaille depuis 25 ans, que vous connaissez donc, je pense, pour la plupart. Et bon, évidemment, je fais beaucoup de droit de la distribution, mais plus que lui, j'ai moins une activité plaidante et de conseil de groupement ou des concessionnaires. Et je me suis, parce que j'ai une formation à l'origine, il y a maintenant très longtemps, de conseil juridique. J'ai travaillé pendant 5 ans au bureau Francis Lefebvre. Voilà, j'ai toujours continué à m'occuper de tout ce qui était contrat, droit d'entreprise, création de société. Et je suis la madame session du cabinet.
Effectivement, on m'a demandé d'intervenir, je ne savais pas très ce que vous attendiez, parce qu'on attendait de moi. Donc, j'ai une réflexion par rapport à ce que j'ai entendu là sur les points importants des contrats. Je ne vais rien vous apprendre, surtout pas aux acheteurs de ces gros groupes, mais trois réflexions. La durée des contrats, j'entends et c'est bien qu'a priori, on est plutôt de plus en plus sur des contrats de 3 ans. On voit encore quand même, et notamment parce qu'on est sur des contrats d'adhésion, hein, vous avez bien compris, même dans les groupes d'une certaine taille, on vous dit, on signe, même si on les négocie, des contrats qui sont rédigés, préparés, présentés par les fournisseurs. Donc on est dans des contrats d'adhésion, et les contrats d'adhésion pendant des années, ça a été avec des clauses généralement de durée de plutôt 5 ans. Je vois que sous la pression, on réduit quand même de plus en plus ces contrats à durée déterminée de 3 ans, et c'est bien, car 5 ans, c'est effectivement long, surtout sur des contrats la téléphonie, tout ce qui est photocopieur, qu'on soit dans des contrats de location pure ou de location financière, hein, c'est la même chose. Sachez, les prix changent, les matériels changent, et donc c'est pas la peine de s'engager. Et sur la durée également, une autre réflexion. Je le vois beaucoup justement au moment des cessions d'entreprise, cessions de fonds de commerce surtout, où évidemment quand un opérateur en rachète un autre, eh bien, il a déjà ses propres fournisseurs, ses propres contrats, et la plupart du temps il n'est pas intéressé par la reprise des contrats de celui qu'il rachète. Et on est ennuyé parce que évidemment le fournisseur vous dit, vous avez un contrat de 3 ans, moi je ne travaille pas avec vous, donc si vous ne reprenez pas votre contrat et si vous ne me voulez pas, je n'ai aucun intérêt à faire un effort pour résilier de manière anticipée ce contrat, et donc il vous facture plein pot les annuités ou les trimestrialités qui restent à courir, soit l'indemnité de résiliation et de sortie. Il n'y a qu'un seul contrat, il faut le savoir, mais je pense que vous le savez tous, qui est résiliable au moment d'une cession de fonds de commerce, c'est le contrat d'assurance. C'est une disposition du code des assurances de plein droit. J'avais noté, mais j'ai entendu que ça n'existait plus, hein. Sachez quand même qu'aujourd'hui les clauses d'exclusivité, notamment au terme du règlement d'exemption, c'est maximum 5 ans. Donc si vous voyez un contrat avec une clause d'exclusivité de plus de 5 ans, vous pouvez vous dire qu'on est en train d'essayer de vous arnaquer. La deuxième réflexion, je poursuis, j'ai le micro, hein, je vous rendrai la parole après. La deuxième réflexion, pour rebondir sur ce que vous avez indiqué, il y a une fausse idée qui circule, qui est pourtant une idée juridique qui n'existe plus depuis fort longtemps, c'est que les conditions générales d'achat primeraient les conditions générales de vente. C'est faux. Ce sont aujourd'hui les conditions générales de vente qui priment. Donc, mais rien ne vous empêche, car ça n'est pas une disposition d'ordre public, au moment où vous négociez avec un fournisseur qui vous présente ses conditions générales de vente, de lui dire, c'est très bien, cher ami, mais si vous voulez négocier avec nous, si vous voulez conclure un contrat, a fortiori, si vous représentez une force importante avec 10, 15, 20 ou 36, vos conditions générales de vente ne me plaisent pas. J'ai des conditions générales d'achat. Alors le fournisseur va vous dire, moi, les vôtres ne me plaisent pas non plus. Et on se met autour d'une table et on négocie. Mais sachez qu'en l'absence de négociation sur les conditions générales d'achat, ce sont les conditions générales de vente, s'il en existe, de votre fournisseur qui va primer. J'entendais une seconde chose sur la confidentialité la plus totale des accords. Eh bien, en principe, c'est totalement illicite, pour ne pas dire illégal. Enfin, illégal, pour ne pas dire illicite. Depuis maintenant une dizaine d'années, les négociations, plus exactement le fournisseur, doit rendre public toutes ses conditions tarifaires, toutes ses conditions générales de vente. Il peut y avoir des accords particuliers par, type d'entreprise ou type d'accord, mais celles-ci doivent être publiques. Et si, pouvoir être communiquées. Et vous avez parfaitement le droit de demander à votre fournisseur de vous communiquer les conditions particulières qu'il a négociées avec tel ou tel opérateur du même type d'activité que vous. Donc je suis toujours étonnée de voir que cette pratique dans le commerce n'existe pas.
Excusez-moi, donc si je comprends bien, je suis embêté pour vendre mes pneumatiques, oui. Je peux demander au fournisseur, oui. Je ne le citerai pas, de pneumatiques, de me donner les conditions, oui. D'achat de mon premier concurrent, oui. Oui. Sur mon territoire. Oui. Oui. Alors il peut toujours y avoir des conditions particulières, et je terminerai là, évidemment en fonction de données très particulières, c'est là-dessus que les fournisseurs et même les acheteurs se retranchent, en disant j'ai un accord particulier parce que je vais avoir X quantité qui va être achetée sur une période de 2 ans, 3 ans, parce que j'ai X site, etc. Mais normalement, les tarifs en fonction des quantités de vente doivent être également publiés dans le cadre de la grille, tarifaire. Voilà, bon, je m'arrête après peut-être sur les conditions. Alors, ça, c'était un peu la tendance déjà de la loi Galland, oui. Mais aujourd'hui, de gros, peut-être sur Macron. Et... Alors, la loi Macron n'a pas de disposition tout particulière sur ces conditions-là. La loi Macron est intervenue sur des problèmes de renforcement des délais de règlement, mais en matière véritablement de conditions. Général de vente, conditions générales d'achat, la loi Macron n'a pas de disposition qui nous intéresse ici. Mais surtout, enfin, je ne cesse de le répéter, hein, qu'on s'enlève cette idée que les conditions générales d'achat priment. Par contre, c'est là-dessus que je terminerai, il est important d'en avoir parce qu'il y a encore quelques fournisseurs qui n'ont pas de conditions générales de vente ou qui ont des conditions générales de vente qui sont mal fichues et qui vous permettent à ce moment-là de dire ben, moi j'ai des conditions générales d'achat qui peuvent servir dans le cadre de la négo, soit pour les tout simplement les remettre au goût du jour et qu'elles servent de socle, ce qu'on appelle le socle contractuel, soit parce qu'au moment venu, eh bien, vous pourrez mettre en avant ces conditions générales d'achat. Très bien. Des commentaires sur la partie juridique. Alors, merci à tous. Alors, on est parti sur un format 45 minutes. On vient d'atteindre. L'idée étant de pouvoir garder 5-10 minutes s'il y a des questions dans la salle, que ce soit un peu plus interactif par rapport à tout ce qui a été évoqué maintenant. Donc on a parlé des organisations, on a parlé un petit peu de la philosophie des achats, on a parlé du côté juridique, et je pense que c'est un éclairage très intéressant. Est-ce que par rapport à ce qui a été dit et votre métier au quotidien, il y a des questions dans la salle ? Je commence. C'est une vraie question, c'est la question que je pose à tous mes acheteurs. C'est comment sommes-nous sûrs d'avoir les meilleures conditions de marché ? Alors on parle de prix. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est je préfère parler de conditions. Parce que le prix, c'est une chose, mais quand vous achetez, vous pouvez aussi acheter de l'agilité, c'est-à-dire la capacité à vous désengager, etc. Donc là, c'est le bench, c'est la possibilité d'échanger. C'est donc là, on a eu une énorme opportunité là dans le domaine industriel pour le groupe PSA avec General Motors, où on a pu échanger nos conditions d'achat. Donc effectivement, on peut dire qu'on a le droit, mais non, dans le domaine automobile d'achat grande série, on ne partage pas les prix d'achat des pièces automobiles, c'est pas possible. Enfin, on pourrait imaginer, mais aujourd'hui, c'est pas possible. Donc là, c'est vraiment le sujet. C'est comment sommes-nous sûrs d'avoir les meilleures conditions de marché ? C'est un vrai sujet, c'est un vrai métier. C'est l'intime conviction. Mais non, plus que ça, je pense qu'il y a le bench, bien sûr, dans la mesure où la réciprocité sur le bench existe. Et puis après, quand on fait des acquisitions, on s'aperçoit quand même souvent que quand on positionne nos contrats, on est nettement mieux placé. Donc ça donne quand même une référence parce qu'on se dit, tiens, finalement, on est bien au-delà et des conditions que ce groupe ou cette affaire avait auparavant. Quoi. Ça, c'est quelque part, ça permet aussi d'avoir une référence. Mais au fond, est-ce qu'on est arrivé au bout de la négo ? On ne le sait vraiment jamais. Quoi. Donc c'est toujours compliqué, très clairement. Bon,
moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'il est difficile de savoir quand est-ce qu'on est au bout du bout, sachant quand même que 80% ou 90% des articles que nous achetons sont soumis à maintenance, notamment souvent. Aujourd'hui, quand on parle de conditions, il y a des conditions générales avec une garantie, un suivi, des gens capables de réparer, de dépanner. Alors, on met tout en balance, un petit peu comme les appels d'offres. Donc. Mais le vrai prix, aujourd'hui, on ne le connaît pas réellement. Quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, effectivement, quand on se compare avec d'autres collègues ou confrères, on arrive à situer. Je pense qu'on sait quand est-ce qu'on n'est pas loin, mais le bout du bout, en fait, on ne le connaît pas. On ne sait pas. Comme nous disait le client pour les voitures. Hein. Bon, juste pour compléter, dans le domaine industriel, on a effectivement des analystes qui vont très loin dans l'analyse d'une décomposition de prix pour effectivement avoir des bases très précises de négociation et avoir un prix plancher en intégrant effectivement les marges minimum, la rentabilité des capitaux, etc., pour pouvoir déterminer quelque part quel est le prix maximum à partir duquel, jusqu'auquel on peut arriver. Donc ça donne au moins des bases. Par contre, effectivement, la garantie à 100%, savoir qu'on a les meilleures conditions, elle n'existe pas. C'est un petit peu, si je peux me permettre, un peu ce que je dis toujours quand un nouveau chef produit arrive chez nous. La grosse différence entre un acheteur et un vendeur, c'est que l'acheteur, c'est un métier de frustré. Quand vous vendez, vous savez ce que vous avez gagné sur une vente. Quand vous achetez, vous ne savez jamais. Donc si vous ne finissez pas la négociation en vous disant « je pourrais faire mieux la prochaine fois », ben ça ne marche pas. C'est vraiment la grosse différence philosophique. D'autres questions ? Juste une question sur les seuils des achats pour le déclenchement comme par rapport aux décisions que vous disiez tout à l'heure. On a mis un seuil d'achat à 300 euros ou autre. Je pense à Didier qui parfois nous tire les oreilles en disant « mais nous aussi on fait de l'épicerie et sur l'épicerie au final quand on en fait beaucoup on peut gagner de l'argent ou alors on peut acheter mieux ». Même Philippe, tu parlais des cartouches d'encre. Est-ce que vous avez des achats de fréquence au final qui sont des petits montants mais sur lesquels il ne faudrait pas intégrer un contrat cadre des cartouches d'encre, fois X cartouches d'encre par mois sur l'ensemble des sites, ça fait des contrats. Est-ce que vous les laissez individuellement à la disposition de chacun ou est-ce qu'il ne faudrait pas les centraliser ? Je dirais qu'on monte les marches une à une. Et effectivement, quand on a tous les contrats cadres principaux et qui génèrent, on va dire, le plus de profitabilité pour les sites sont mis en place, c'est vrai qu'après, on rentre, on va pas dire dans le dur, mais dans des contrats, on va dire, entre guillemets, plus annexes. Effectivement, les fournisseurs de bureaux, clairement, aujourd'hui, c'est une réflexion que nous, on a. Hein, parce qu'à l'échelle du groupe aujourd'hui, c'est sûr qu'on a des vraies économies à faire. Hein. Après, on en revient toujours à la question numéro 2 sur la réciprocité. Hein. Des fois, il y a également des gens qui font de la fourniture de bureaux, qui font aussi le copieur, qui font beau. C'est pas évident, hein, toujours des sujets un petit peu délicats. Mais oui, on a certainement matière encore à gagner des euros sur des contrats comme ça, je dirais, plus, ce que je vais appeler plus vague, hein, parce que c'est vraiment le mot, mais qui associés font beaucoup d'euros, hein, clairement. Comme dirait Valérie, j'en profite parce que j'ai le micro. Deuxième question sur la réciprocité, justement, au regard de la réalité des marges dans notre métier de la distribution automobile, quand vous dites que vous regardez réellement l'intérêt de la réciprocité, l'intérêt commercial par rapport à la réciprocité, vous calculez réellement ce que vous gagnez en marge par rapport à un client, par rapport à l'économie que vous pourriez réellement faire ? Non, clairement non. Je reviens sur la remarque que vous avez faite tout à l'heure, par rapport à l'artisan qui achète un Boxer tous les 5 ans, enfin, on n'est pas dans la réciprocité commerciale, hein, c'est plutôt un enjeu qui représente un certain nombre de voitures, mais là, elle est additionnée, la marge à la voiture, la prime qualité qu'on a touchée, l'IPC éventuel. Non, on ne va pas jusque-là, très clairement. C'est plutôt le ressenti client et l'échange qu'on va avoir avec le patron du site et l'enjeu que ça a représenté, parce que peut-être que derrière, il y a de la pré-vente aussi. Peut-être, enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, quoi. Pour la deuxième question, je suis entièrement d'accord. On est incapable de mesurer la marge restante sur un Boxer et pour un moyen ascenseur. Par contre, par rapport à la première question, faire très attention. Effectivement, les achats de petites fournitures peuvent être souvent des risques de dérapage. Alors pour exemple, on a un comptable qui écrit avec un bic cristal qui vaut bon an mal an 15 centimes et l'autre il va utiliser le Stadler à billes qui vaut 6 euros. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait pour ma part, pour la petite papeterie, j'ai fait
non seulement un contrat cadre, mais j'ai fait une grille cadre. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'acheter tel stylo, telle gomme, tel... Parce qu'entre l'un et l'autre, il y en a un qui veut percer les trous avec une perceuse plaquée or, et l'autre, il veut... Voilà, donc c'est... Aujourd'hui, on a fait une grille, il y a 50 articles. La gomme, c'est pas la gomme malade avec Picsou dessus, c'est la gomme normale. Enfin, voilà, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Parce qu'il y a vite des dérapages. On s'est aperçu qu'il y a des gens qui prenaient le stylo, ils ont la papeterie, mais enfin... Alors, c'est vrai qu'on a une grosse remise, mais... 10% sur 6 euros, 10% sur 15 centimes, ça ne fait pas pareil. Voilà. Donc on a fait une grille de choses autorisées. J'ai même entendu il y a 10 ans un groupe qui avait une énorme rentabilité qui avait créé une trousse pour les collaborateurs. Donc il y avait une trousse et pour avoir un stylo à la place, il fallait ramener l'ancien. Ouais, nous on l'appelait trousseau. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Bon, on a quelques éclairages sur les achats. Je pense que la seule conclusion qui peut sortir de, ces, de cette conférence, c'est que c'est un métier complexe, il n'y a pas de vérité. Que chaque groupe met en place sa propre méthode. La seule certitude quand même que j'ai, sujet dont on débattra tout à l'heure, c'est qu'il y a certainement des axes d'amélioration ensemble, déjà pour partager nos méthodes, déjà peut-être pour trouver quelques chantiers à monter ensemble, mais je crois que c'est un chantier important. C'est vrai que je me rappelle également, il y a 12 ans, je disais, attention, on parle beaucoup de ventes, mais peu d'achats. Je rappelle qu'une marge, c'est bien la différence des deux. Donc c'est plutôt encourageant de savoir qu'il y a des énergies à trouver ensemble. Et puis je voulais vous remercier encore à nouveau, parce que hier, c'était pas si facile. Je vous ai un petit peu provoqué, j'étais un peu vous chercher aussi il y a très peu de jours, hein, certains. Donc je vous remercie vraiment de cette spontanéité. Et puis merci particulièrement peut-être à PCR, parce que, et à Virginie, parce que ce ne sont pas des intervenants qu'on a l'habitude de voir. Et j'espère qu'ils vous ont amené un éclairage un peu différent sur votre vision des achats. Merci.